Zébardi, Zébardi! Mais que dis-tu enfin, Audrey? Zélavette! Merde! Je crois que... tu es devenu Jean-Louis le Forain! Non! Bienvenue sur Resident Evil 6... 5, pardon. Aujourd'hui, je suis avec mon cher collègue Isès. Bonjour Isès. Bonjour. Ça fait quelques mois que je crois que j'ai un problème avec les jeux vidéo. Je comprends. Jette ton ordinateur à 10 000 balles. Tu verras, tu ne pourras plus jouer. D'accord. Bon. Allez. Mon Dieu, après cette blague de merde, rajoutée au montage, n'oublie pas ça. N'oublie pas ça, Isès. Tu t'en voudras si tu l'oublies. Après cette blague assez foireuse, parce que vous avez bien vu la durée de la vidéo, bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Fantôme. Je suis Isès, et aujourd'hui, en compagnie, comme d'habitude, de ma chère Sheva. Oh oui, c'est moi. Ah là là, dans, oui, Audrey dans le rôle de Sheva. Youpi. Nous sommes heureux... Audrey dans le rôle de Sheva. Attends, c'est ça mon inventaire? Oui, c'est ça. Bonne chance pour survivre. J'ai quelques 15 balles à te passer, une pistolet. Au merci. Avoir un minimum de... Tu vois, d'avoir un verre de bouteille. Ah oh, putain, quelle horreur. Ah oui, non, oh non. Ah oui, non, c'est bon, on a passé l'autre niveau, c'était une purge. D'une manière, vous l'auriez vu. Vous l'aurez vu, mais globalement... Globalement, le niveau juste avant, là, c'était vraiment, mais alors vraiment casse-couille. Alors, pour ceux qui se demandent où sont certains emblèmes, là, j'y pense, il y en a un ici. Que je ne pèterai pas, parce que j'ai déjà si peu de balles. Et voilà, on a tous les emblèmes chez nous, normalement. Oui, j'ai coché Amazon, donc on a tous les emblèmes. Le costume Amazon, c'est un mot qui existe, le costume. Et oui, j'ai... Et voilà. Des multi-fusils à pompe. Ah, c'est bien, ça. Bon. C'est détonnant. Ok, bon. C'est le boss le plus difficile qui est du jeu, ça, non? Bah, une fois, quand on est des branquignoles comme nous, comme le dit le titre du dernier épisode. Nous sommes des branquignoles. Globalement, ouais. D'ailleurs, Audrey le découvrira en même temps que vous, hein. Mais j'ai déjà vu ma petite vidéo. Je sais plus, c'était il y a 2-3 chapitres, c'était la vidéo, mince. La dernière que t'as mise en ligne. On aime les labyrinthes. C'est ça. C'est ça, la toute dernière que j'ai mise en ligne, c'est On aime les labyrinthes. Tu as des munitions pour toi ici. Oui, bravo, merci beaucoup, tu m'aides. Je sais. Mais je sais, voyons. Ah. Ça aussi, on va aimer. Non, ça va, j'ai un sniper. Je te laisse t'en occuper, alors. Ok. Grenade électrique au centre, contrebalance. Mais balancer et contrebalancer, ça c'est sûr. Ah! Il est mort, capitaine! Il est mort! Eh bien. On dirait que ces enfoirés n'ont pas fait. Aujourd'hui, dans votre feuilleton quotidien, l'aventure de la secrétaire Sheva et de son fidèle garde du corps. Oh merde. Non, elle m'a eu. J'ai voulu passer en scred, elle m'a fait tac.
Eh ben non. Bon bah continuons après tout. Oh là, je suis fatigué, on arrête. Oh. Cheva, espèce de feignasse, qu'on soit bien clair, si tu t'es mis en costume de petite pute, c'est pas pour me lâcher tout de suite. D'autant plus que je me suis déguisé en gigolo exprès pour toi. C'est clair? C'est faux, tu n'es pas gigolo, tu n'es pas exprès pour moi et je ne suis pas une petite pute, j'ai pas de costume. C'est mon habit de travail, voyons. Parce que je suis de la CIA, police, police départementale. Je vais ouvrir cette porte. Vos papillons, s'il vous plaît. Aïe aïe, ouais. Ça, des grenades électriques, je m'en bats toujours autant. Les couilles, les bonnes couilles. Hop, quel dommage que tu te sois fait buter, j'avais eu un très bon loot juste avant. Si. On va se voir. Et bah voilà. Voilà, parfait, bon. Et maintenant, maintenant que tu as un fusil à pompe, tu vas pouvoir l'utiliser sur ce truc. J'ai déjà utilisé trop de fusils à pompe la dernière fois. Eh bah écoute, fallait moi l'utiliser. C'est bon, allez, on part. Ah merde, merde, mais non, mais non, mais bordel. Mais il me bloque, il me bloque. Attends, attends, j'ai peut-être fait une... Et merde, putain, j'ai gâché une balle. C'est bon, on se barre, on se casse, on se taille. Utiliser une mission de fusil. Et bah, teste pour ceci. Eh bien, écoute, fallait mieux les gérer avant. Et il y en a un autre là. Ah, on se barre. C'est bon. Oh merde, non, c'est vrai qu'il y a ça. Il y a ça, merde. Ok. Je m'en charge. Le courant a été coupé. Oh là là. Mais non, mais bordel. On a point de checkpoint. Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on ait eu un checkpoint. Non. Non, on n'a pas eu de checkpoint depuis. Eh bien tant pis, hein. Là on commence à arriver dans les parties un petit peu touchy. Pompe. Ah, deux pompes. Deux pompes. Ouais. 2 km à pied, ça use, 2 km à pied, ça use les souliers. Oh parfait. Sérieux, ce genre de musique. Parce que je suis quelqu'un de plutôt ringard. Ça c'est du pistolet, ça c'est du pistolet, c'est cool, rien de bien utile. Ah non hein. Jamais tu ne fais perdre de vie. Oh bien joué. J'ai plus de balles. Je suis sur celui-là. Enfin j'ai encore des balles mais disons que je vais recharger. Bon. Oh, bon mon fusil à pompe. J'ai passé un peu de tranquillité. Oh non. Bordel. Bon, on arrive à la partie vraiment un peu compliqué vraisemblablement. Bon non, c'est pas grave. Hein. Des branques, c'est pas pareil. Non très sincèrement là on pouvait pas faire plus mongol que nous la dernière fois là quand même. Si on pouvait. Oh l'incapacitante. Bah oui mais je peux pas la prendre. Moi, parfait de l'incapacitante, ça parfait pour... Par contre j'ai une incendiaire mais pareil j'ai pas eu le temps de l'utiliser la dernière fois. Remarque, j'ai un œuf pourri. Peut-être, qui sait, peut-être que ça marche. Bon, toujours pareil au cas où. C'est toujours des grenades.
Munitions de fusil. Dans la salle. Ouais, je sais, mais. Non, mais des munitions de fusil dans la salle là. De laquelle je sors. Oh. Je vais chercher tout de suite. Ou plus tard, hein, si tu veux, hein, mais. N'empêche qu'ils y sont. C'est important. Là, les munitions sont. Mais surtout pas négligées. T'as des munitions. Voilà. Non, je vais pas prendre les grenades. Bon, bah. Non, je vais les. Tu peux les jeter de toute façon. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On n'a pas, plus de grenades. Hop, allez, bon, je garde la mitrailleuse à la main au cas où. Bon, il y a pas le choix, il va falloir buter ces deux enfoirés, hein, par contre. Ok, donc je prends le sniper, tu penses, ça fait plus de dégâts. Oh non, oh non, 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 non. Il y en a d'autres là-bas. Attends. Il y a d'autres enfoirés là-bas. Laissez. Vas-y. Kiki. Fais ce que je te dis, Kiki. Oui, je galère. On va plus arrêter de mourir. Oh, oh d'accord, ok. Non, j'accepte. On est mort trop de fois, bah remercie-moi. Remercie-moi, franchement. Merci-moi. Eh bien, du coup, là, nous faisons la démonstration en direct de l'échelle d'adaptation de difficulté. Oula, t'avais pas une flèche vent? Si. Oh. Magnifique. Ah, ça, par contre, on va pas y échapper. On va pas y échapper si tu veux bien la défoncer. Non, non. C'était le pont. Ah merde! C'était le pompe. Bon bah tant pis. On recommence! Wouh! Moi ça me dérange, pas. Hein. Moi non plus, hein, mais bon, c'est bon, c'est juste qu'on passe pour des abrutis, quoi. C'est pas ça, ça c'est pas nouveau. Tiens, prends une mission plus HL. Bah encore heureux, tiens. Tout le reste est pour toi. Ça c'est pas nouveau et tu peux faire l'abruti dans le jeu. En tout cas, c'est pas une. Bah écoute, c'est vrai que dans le Legit Challenge, genre... bon, c'est... Allez, soyons un petit peu de mauvaise foi. Le Legit Challenge est pas compliqué, mais bon, voilà. Ouais, en facile, il faut faire un bon Legit Challenge. Ah. Bon. On va décharger son flingue et... Ah. Qui ose me tirer dessus? Alors là, ça va être très clair. Est-ce que c'est... Non, c'est le hasard. Ah, parfait. Là. C'est bon. Eh bien, ce fut facile. Bon, bah c'est le hasard, génial. Absolument parfait. Vas-y, vas-y. Attends, non. Vas-y, vas-y, prends. De toute façon, je suis retourné en arrière, moi. Ah, 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 j'arrive. Enfant de salaud. Y'a tellement pas d'honneur. Ah. Ah, ça c'était beau par contre. Ah, je prends. Non, je prends. Je prends, j'ai une herbe rouge. Ah, il y a une herbe rouge là-bas en fait. C'est pour ça. Bah écoute, comme ça je vais pouvoir en récupérer une aussi. Vas-y, vas-y, hein. Moi ça me mange pas, moi j'ai pas d'herbe. J'ai rien. Attends, ouais, bon vas-y. Plusieurs pompes, tac tac tac, de toute façon la vie ne sert à rien parce que c'est des seuls. Allez, belle. C'est bon.
Bon, j'ai gâché 3 balles de magnum, mais c'est pas il perdu. Il reste 3 balles de munitions de... C'est pas il perdu. Il reste 3 fusils à pompe, hein. Sans plus, c'est tout. Eh bien, écoute, on n'a plus qu'à prier. Le hasard, non, celui-là, c'est pas le hasard, il va arriver de toute façon. Là, pas toujours. Il était ridicule, celui-là. Non, il est pas là. Oh, si, non, bah, oh un fusil sniper pour toi. Tiens. Avec ta kit. Si tu le touches, je te bute et je te découvre un petit morceau. Capiche? Ça marche. Mission de mitrailleuse. Ah putain. Connasse. Mitrailleuse. Je jette le PSC1. Dans ce cas-là. Le Dragunov, pardon. Le Dragunov. Tiens, en fait. Fais... Pour te charger un petit peu quand même. Pas ah, il y a moins de. Il y a moins de. Par contre, il est plus précis. Ça, c'est fabuleux. Moi, tant mieux, hein. En effet. Casse tienne. Va à l'Algérie, comme on dit. Ah, fusil à pompe, fusil à pompe. Miracle. Putain, miracle. Alors, question. Non, tu sais quoi, je reste ici. Je reste ici à actionner. Attends, les gens, laisse, je vais. No vas-y, vas-y, vas-y. Oh merde. Où es-tu? Ah, te voilà. Vas-y, défends. Prends celui la gueule. On devra prendre le collier pour chien. Tu passes ou je vais Vas-y. Bah, est-ce que tu veux pas appuyer sur le bouton et vite venir sur la plaque Il me semble que je peux pas, puisque regarde, est-ce que tu peux buter l'autre con là, juste en face de toi? Bien sûr que je peux. Tout pour toi. Voilà. Bon, je vais essayer d'arriver. Je vais essayer d'arriver, j'espère que ça va fonctionner. Et ça fonctionne pas. Bon. Attention à ta droite. Je sais, mais je m'inquiète pas, je vais tourner. Attention à ta gauche. Ouais, bon, j'appuie d'abord. Ok. Ah ouais. Bon bah. Survie. Ah non, hein. Tu mourras pas comme ça. Survie, vive. Ça a pas aidé. Alors là, ouais, si tu commences à l'envoyer comme ça, là... Oh merde. Putain, et évidemment... Je suis désolé, là, c'est mes dernières balles. C'est ma dernière balle. Bah écoute, laisse-les te... Bon bah, vas-y, hein. Vas-y, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, ok, bon bah... Et toi? Hop là, bah j'ai plus aucune balle. Putain, je veux pas mourir, hein. Bah non, non, mais au pire, c'est pas grave. Voilà. Putain, toutes ces balles pour ça. C'est bon, t'es dessus? Oui, bah c'est bien, parfait. Bah t'avais qu'à arriver plus vite, hein. C'est ta faute si t'es en retard. Tiens. Il est drôle. Je te préviens. C'était pour te punir. Tu sais, c'est bel et pistolet, hein, je suis un bon... T'es un bon connard, ouais. Balle de pistolet et munitions de mitrailleuse là aussi. Eh bah écoute, parfait, je vais pour toi. Là, c'est quoi? Du pistolet et du fusil à pompe pour moi. Je fais ce pistolet, évidemment, pour que t'aies au moins... De quoi survivre. C'est ça. Parce que là, je... Moi, il m'en reste suffisamment. Il me reste 10 balles de magnum. Je suis plutôt content. Garde les ça. Ouais, mais là, pour les saloperies qu'on avait, là, très sincèrement. Attention, on a des lance-roquettes. Heureusement.
Malheureusement, se plaquer au mur permet d'être invincible face à toute... face au lance-roquettes. Aïe, j'ai rien dit du tout. Oh putain, le prétentieux. Le prétentieux ici. Bon, je vais essayer de me les faire tout. J'ai tiré de façon très sale dans la tête, tiens. Que dis-tu? Tiens. Oh, magnifique. Merci beaucoup. Mais... bon, heureusement qu'il y en a un des deux qui est con quand même. T'as mort. Mais ils ont des casques. Merde. Non mais non, il est vieux. T'as... tu vas mourir, ça a pris. Ah non, il se transforme en popouillard, en... en machin là. En céphalo. Sûr. Et moi je il y a tellement aucune gloire. C'est génial. J'aurais pu... après j'aurais plus de... Ah non, c'est ce niveau, il est hiker. Ah, donc, je trouve, en effet, là, ça risque d'être plus emmerdant. Et moi, je dis qu'on va avancer, qu'on va... Ah bah, go. Go, go, go. Je vois des munitions de mitrailleuse, de toute façon. Oh, magnifique. Attention. Bon bah j'ai rien eu. Merde, il reste pas devant moi. Aïe. Il est en feu ton mur, ton mur. Brise nuque. Munition de fusil, ça, ici. Ouais. Hop là. Attends, ne rentre pas par la porte. Parce que je vous présente... je vous présente les rois de, des abrutis. You spin me right round, baby, right round. Tu vas mourir, t'as Attends, je suis débile. Attends. Une petite seconde. Laisse-moi juste le temps de... oui, là, tu veux vraiment te mettre. Moi, je vais pas utiliser grand-chose, hein. Je vais pas vas-y, c'est pas la peine. C'est pas la peine, cet abruti, là. Hop. On prend ce qu'il y a à prendre et on se casse. On prend ça et puis on se barre. Merde. Attends, non. Oh. Hop là, voilà. Vas-y, je te suis. Tiens. Un couloir sombre éclairé de lumière verte. Magnifique. Non, ça va. Chill. Du côté. Ah oui. Qu'est-ce que tu observais? Rien du tout. Non, ta pause. Il me semblait que t'avais une herbe rouge. Ah oui, mais non, tu l'as utilisé, c'est vrai. Oh non, pas c'est... Oh, yeah, youpi. Sentez dans ma... pour moi, l'intonation, tout ça, ce niveau, c'est ma vie, c'est mon enfance. Attends, tu peux venir? C'est un niveau fabuleux. Tiens, passe-moi des munitions. Volontiers. J'ai pas de munitions pour toi. Ah, il y a une herbe verte ici par contre. Ah. On fait des herbes vertes. Bravo, une herbe verte plus une herbe verte égale deux herbes vertes. Félicitations. Mais non, mais une herbe verte plus une herbe verte plus une herbe verte, je ne peux pas faire trois herbes vertes. Félicitations Timothée. Tu as gagné un bon point. Trois herbes vertes ne peuvent pas faire trois herbes vertes, c'est ça que... petit trou bête. D'accord. En plus, que c'était la première fois que j'utilise ce fusil sniper. D'habitude, je préfère les semi-automatiques. Je trouve ça beaucoup plus le frisson du danger. J'adore.
peut-être une fois où c'est bien pratique dans un Ah, bah la croix molle frisson du danger, tu vas le ressentir, mais alors puissance 5000, mon dieu. C'est puissant de la chantilly, c'est pas à ce niveau-là. Mais gâche pas tes balles, mais gâche pas tes balles contre ces abrutis. You spin me right round, baby, right round, like a record, baby, right round, round, round. Le délire, c'est qu'on doit attendre qu'il y ait des voix avec ça et que ça s'arrête. Voilà, et maintenant on doit buter les mecs au milieu, les gars au milieu. Là. J'ai vu ta ragdoll. J'ai vu la position 3D, t'as vu ça? Non, something stopped. La quoi? Le mec qui est juste après l'action. Ah, il est là! Et donc là, ce qui est génial, c'est. Ça bouge plus normalement, ça bouge plus! Bah oui, mais non! Sinon, ce serait pas drôle! Oula, ça lag! Oula, ça lag! Ah, ça y est! Voilà. Oh bah maintenant, on a plus qu'à. Qu'à spin me right round! On est pas dans le rythme, c'est ridicule, ça fait un truc dégueulasse. Oh, ça va, hein, sincèrement, je trouve qu'on respecte plutôt bien l'original sur ce point-là. Non, je suis un enfoiré, mais bon, c'est pas non plus une grande pièce musicale. Non, c'est vrai, je préfère. Même si je préfère, c'est que je préfère pas du tout. J'aime pas du tout, c'est de Marilyn Manson. Je suis pas un très grand fan de métal, franchement, ça me dépasse. Ah, il est là! Il est là, nickel. Merde. Oh, je l'ai eu! Voilà. Mais putain, mais moi, j'ai du mal à viser en fait avec notre petit bouchon de temps. Je l'ai eu avec une balle de pistolet. Je suis très fier. C'est bon, logiquement, on arrive à la fin. Putain, on en a passé des. Je me souviens, la première fois, on a. La première fois qu'on l'a fait en mode normal, on a dû y passer bien une bonne dizaine de minutes parce qu'on galérait. Mais on galérait, mais puissance. C'est toujours perturbant après. C'est vrai. Ah, tiens, attends, défonce-moi ces abrutis. Ça sert à rien. Ah bon? Ça sert à rien. Alors, donc les vidéos. Il a une uniforme pour le militaire, il n'arrive pas à. Voilà. Ils sont cons, c'est normal. Succès. Pourquoi avec une potence d'esprit huileux qui me bloque la vue. Putain, tout ça pour ça, ça. Et toi, tu me bloques le passage. Oh là, barre-toi, dépêche-toi. Oh, il y a du fusil à pompe. Ah, c'est parfait. Cool. Je comprends pourquoi il a explosé. Il y avait des cartouches de fusil à pompe dans le corps. Comment ah, bah non, mais tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Par contre, celui qui me tire dessus par surprise, il arrête de me tirer dessus par surprise parce que c'est pas très une bonne surprise tout ça. Bah tiens, si tu peux nous soigner. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce style? Bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Tiens, du tout. Je tente l'huile d'olive parce que l'huile d'olive ça rend huileux. Oui, c'est cela, oui. Oh mon dieu. Ah, notre niveau voilà, favori. Combien j'ai 15. J'ai 26 balles. Non, en vrai ça va, c'est pas un niveau vraiment. C'est pas un niveau catastrophique tout court, en vrai c'est. Non. C'est un bon niveau. Est pas chiant, oh, really? C'est d'abord. Ouais, il y a un emblème légèrement. Oui, bah attends, je vais leur montrer dans le puits. Attends, il y a de l'argent. Le bon flouze, le fric. Le flouze, le fric, le pépette. Ah! Exactement. On peut descendre alors. Alors, ouais, attends, je vais juste leur montrer. Voilà. L'emblème, il est. Quelque part. Avant que tu l'aies déjà pété. Tu viens de le réactiver.
Non. Oui, je viens de t'activer. Ouais, là, il est là. Il est là, voilà. Encore une fois, je vais pas le péter parce que... Et il y a des munitions de fusil juste là. Ouais. Et je monte, du coup. Je monte du Vas-y, coup étant donné que le rôle de soutien incombe à celui qui a le sniper. Il y a du pompe aussi par là-bas, près du bâtiment. Là où je suis. Voilà, donc du coup moi j'ai plus qu'à patienter comme un débile dans mon ascenseur. Mais t'inquiète pas. T'attache pas va venir te monter. Voilà, c'est fait. Merci bien, t'attache pas. Et là, on va aimer ce qui va se passer parce que. Parce que. Tac, tac. Parce que regardez-moi ça. Ça s'appelle un liqueur alpha. Bêta. Bêta, Bêta. Et l'alpha, c'est celui-là. Je suppose. Alors, bon, la grande question. Ah oui, c'est vrai, pas faire de bruit. Non, non, alors ce qui est bien, ce que je trouve bien, c'est qu'ils sont relativement aveugles. Même s'ils sont assez. Ils sont parfois guidés par le scénario, ça arrive. Attends, le ciel. Hey, y'en a un qui est tombé sur moi. Bon, en l'occurrence, là. Là, c'est pas mal ma faute, là. Moi, je voudrais peut-être faire le soutien, tout ça. Moi, je dois t'aider. Ça merde. Et toi, t'arrives et tu fais non, moi, je vais pas t'aider. Ah, écoute, je fais ce que je veux. Ouais. Bon. Il est mort, c'est bon, je prends un cœur. Oh merde, putain. J'aurais pu le poignarder, c'est quel dommage. Ah non, vite. Ah, au secours. À l'aide. Bon alors là, pour ceux qui saisiraient pas, j'ai pas le temps. Mais juste pas le temps. Ah bah là-bas, on est foutu. Que t'as pas tué. C'est les gars que t'as pas tué qui m'ont tombé dessus, c'est pas grave. Hein, c'est chiant, ouais. Bah écoute, ça arrive. Ouais, c'est vrai. Ah là là, il te respecte tellement pas, il rentre même dans tes textures. Oh, quel salopard! Ce sont mes textures! Alors, on est Qui t'a autorisé à rentrer dans mes textures? Et donc là, ok. Quelle langue ne respecte pas le grand de la part des amis, bah, est-ce que tu peux... Bien sûr, je peux... Merci de pouvoir. D'accord, je vais venir t'aider là alors pour qu'il pourrait tuer, je vais leur tirer par dessous. Vas-y. Bah, shoot-les, écoute. Shoot-les. Hop là, pareil, bon, allez. Et là, ne pas faire de bruit. Attends, je peux shooter là. Vas-y, ouais. Essaye. Alors, vraisemblablement, il y a une possibilité, mais encore faut-il réussir à les viser. Oh, oh magnifique. Ah! Oh, on avait pas vu cette mort. Eh ben, je l'ai jamais vu, c'est pour ça que je suis pas intervenu. D'accord, bon bah. Bon bah, c'est bon, c'est bon, les autres, quand même, vous pouvez être décapité, mais tout de même. C'est pas cool de parler des cœurs. Écoute, d'une manière générale, les liqueurs sont assez méchants. J'ai pas eu le coup pour un sou. Donc, il faut les tuer avant d'entrer dans la zone, liqueur, ok? Ouais! Priorité numéro 1. Ok. Bon, alors essaye d'en buter un déjà. Je vais te capter à tête bien. Ah non! Bon, bah dans ce cas-là. Mais j'ai fait merde, non. C'est XCA. Merde. C'est pas grand. C'est bon. J'étais XCA. Eh ben, on gagne. Soit c'est moi qui suis très nul et c'est souvent le cas, soit c'est que leur culture n'est pas hyper. Bah écoute, on est en normal, mais je veux dire, d'habitude on se démerde mieux que ça avec un sniper, quoi.
Et c'est pas, pas toujours. Mais oui, c'est parce qu'en fait je vois que dalle. C'est pas. Bah alors, si c'est le cas. Attends, si c'est le cas, si tu vois que dalle, mets-toi là-bas. Là-bas, je sais pas si tu vois où je vise. Bah près des barrières. Ouais. Ouais, là, exact. Hop là. Là au moins tu verrais peut-être un peu mieux. T'as une vue assez bien là? Bon, on va dire que oui. Bon, je te laisse les tirer comme des lapins. Et quand tu veux. Oh, pas mal. Attention. Putain, évidemment, il revient vers moi, cet enfant. Mais bordel. Putain, je vois même pas. Attention, attention, en v'là un. Il est mort. Il est mort. Il est mort. J'ai la mitrailleuse, que je te passe la. Bon, est-ce que tu es prête? Non, je recharge. Alors attends, moi je vais en position. Je vais préparer un petit peu quand même. Hop. Écoutez, tant pis. Moi, Johnny, au ciel. Ah bah tu sais, ça fait déjà plusieurs fois qu'il nous envoie au ciel le truc. Grenade acide et. Ok, bon, ça sert à rien. Enfin, ça sert à rien. Disons en tout cas que ça ne me sert pas à grand chose. Allez, allez. Il y en a un qui est passé. Ok. Bah, je prie pour qu'il m'atteigne pas trop vite. Ah, ils sont déjà montés. Je prie encore. Bordel de merde. Bordel. Ah. Oh, il m'a loupé. Il m'a loupé, cet abruti. Ah, là, il m'a pas loupé. Là, il m'a pas loupé, bordel. Qui passe? Allez, allez, allez. Oui, oui, ils mongolisent tous ensemble. Non, non, ils sont en bas, ils sont tous en bas. On a eu. Attends, j'arrive. Donc, coup, moi, j'arrive. Tu peux pas, rester au moins moi que je compte en sécurité ou pas. Attends, vas-y, je suis ouvert, c'est ouvert. Mais c'est pas, on n'est pas à l'abri pour autant. Oh bordel. Merde, vas-y. Aïe. Please. Bon, on est foutu. Non, on se tire, on se barre. Non, mais j'aimerais bien, mais on peut pas se tailler, on n'a pas débloqué le pont. On n'a pas débloqué le pont et ces abrutis ils vont bloquer. Bon bah voilà, de toute façon. Oh non mais la galère. Tiens, j'ai là par contre une culotte blanche. Je viens de voir ça. Eh bah écoute, nous sommes tous extrêmement heureux et. Oh putain. Ouais. Ah la vache. Bon. Bon, on sait déjà quoi faire au début. On bute les deux. On bute les deux liqueurs. C'est déjà ça. Si ça continue, ça va se terminer en 1h30 comme la dernière fois. Non, j'espère pas non plus. Fusil à pompe. Voilà. Attends, non, pas tout de suite. Putain. Ah, mais ouais. Saloperie infinie. Lorsqu'il est comme ça, en fait, apparemment, on a moyen de le poignarder en plein cœur. Et là, pour le coup, de l'achever. Bon. Attends.
T'inquiète pas, je t'attends. Voilà. Faut pas en fait que je zoome parce que c'est trop centré quand on zoome. Eh bien, montre-moi à quel point ta stratégie est bonne. Je n'attends que ça. Ah, des munitions de mitrailleuse, génial. La stratégie est super bonne. C'est ridicule. C'est risible. Ça marche pas. Bah ça c'est tout en fait. Allez, meurs. Il y en a trop en fait d'un coup et j'ai pas cette mission. D'accord. Bon, en tout cas pour l'instant, en tout cas les liqueurs ne vont pas jusqu'à moi, ce qui est une bonne chose. Même si j'entends leurs griffes. Même si j'entends leurs griffes. Il a vers moi, putain. T'inquiète, c'est bon. J'actionne et on se casse. On se casse. Dépêche-toi. Oh merde, je vais te faire aussi. Ok. Il y en a aussi un de mon côté. Allez. Et je me casse. Enfin, je vais essayer. Oh là là. Ça, c'était l'esquive à Resident Evil. Ça, j'aime, bordel. On passe entre tous les liqueurs, là, sans prendre un seul coup. Ah, j'aime ça. Ah, oui. J'adore ce combat. Et là, on n'est pas un professionnel, donc c'est pas chiant. Bravo. Damn it, where is Jill? Maybe not. Bonjour, je plagie Matrix, ça vous pose un problème? Je sais plus qui a fait ça, mais je suis sûr que c'est dans Matrix. Je sais pas, mais c'est un film d'action, en tout cas, c'est sûr. Tu n'as pas changé. Oh mon dieu, Wesker. Alors, profitez cette image à Wesker, parce que dans les combats, c'est un mongol. C'est un véritable mongol dans les combats. Il est débile, donc profitez de la cinématique. Bon, pas dans celui-là. Dans celui-là, il est plutôt relativement dangereux. Relativement. Il est plutôt relativement. Voilà. Ah, quelle lenteur d'esprit. C'est bien, tu as raison pour une fois, Wesker. Une blonde? Mais qu'est-ce que... Mais qui est-elle? Qui êtes-vous? Ce n'est pas Gilles. Gilles et Brune. Jill. Non, c'est Gilles et Brune. Jill, it's me, Chris. Remarque, il a déjà reconnu sur une autre photo où elle était déjà blonde. And only. Qui sait, SFMP? Après, oui, c'est sûr. SFMP, c'est une couleur quand elle était déjà. Oh. Non, pas forcément, il a vu les dossiers en fait. Bonjour, j'emmerde la gravité. J'emmerde la gravité. Ah. C'était résil. Je me suis fait bien soutenir par Wesker, qui arrivait un petit coup par derrière. Dans ce combat, on ne peut pas combattre, en fait. L'idée, c'est de bouger. Enfin, on peut combattre, mais ça sert strictement à rien. T'as vu, il y a les volets 3D des personnages. De quoi? Your future hinges upon this fight. En fait, ça m'a voilà. Joué au comment... Wesker. Ah, je m'en vais. Ah, merde. C'est super bien, bravo. Merci beaucoup. Bon, profitez de ce moment-là où j'ai oublié d'appuyer sur le bouton pour esquiver pour apprécier une victoire de l'ordi. Parce que ça arrive vraiment pas souvent. Un message Discord. J'irai sûrement le après sans savoir ce que c'est. Moi je vais devoir prendre les soins. Hein, allez, écoute. En fait, Wesker, comme j'ai dit, c'est sa mission avec Slasher. Hop là, voilà. C'est sa mission qui marche très lentement. Pour donner la chance de battre le personnage.
de s'échapper. Non mais, c'est toi qui a mis la carte? Quoi? Oui, non, j'ai mis la carte moi. Ah oui, il y a la carte. Mais j'ai pas regardé. De toute manière, j'ai l'impression en fait qu'il s'est foutu tout seul. Ah merde. Oh oh, merde, non, merde, 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 merde. Il m'a trouvé. Il a donné un grand coup de pied. Ah, c'est toi qui m'a loupé de 2 mètres. C'est toi qui... C'est toi qui l'a trouvé. C'est ça. Mais quel cassos, sérieux. Alors, si ça se trouve, j'ai pas rien derrière moi, mais on m'a dit. Tu étais derrière moi en train de dire, mais où étais-tu alors que tu vois quoi? Tu es quelqu'un de très intelligent, quoi. Pas moi. Tu es quelqu'un de très intelligent. Non, c'est Jill qui est avec moi là. Ok, parce que. Il est pas retourné dans le haut, j'espère. Hein. Jill est avec moi. Alors, Jill est très dangereuse, paradoxalement, durant ce moment. Ouais, Jill, c'est vraiment plus jeune encore. Oh putain! Bah tiens, parce qu'elle fait pas de bruit, elle ne parle pas. Et en vrai du coup, ça fait que c'est vraiment une de mes méchantes préférées dans. Attends, mais Jill est arrivé en courant. Oh merde! Jill est arrivé en courant, elle s'est arrivée devant le bord, elle m'a vu, elle s'est retournée, je me suis échappé. Non mais, et attends, mais encore mieux là. Merde. Bonjour. Attention, il y a un mongol à côté. En tout cas, vu à ce que vous avez vu sur le match, c'est clairement... c'est une très classe. Je suis tellement classe. Que c'est un crime de m'enfermer et... Ah, oh, il y a des trucs ici. Voilà, donc le but de ce combat, ça va être de résister pendant 7 minutes. Mais croyez-moi, on n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer vu toutes les conneries que l'IA peut faire. Sincèrement. C'est bien fait. Ah. Il était là. Found you. Je l'ai suivi. Je l'ai suivi. Il m'a fait une fois. J'ai vu. Je marchais dans l'escalier. Et moi j'étais là. J'arrive, je le vois de dos. Il continue à avancer. Il est tellement con. Regardez-le, regardez-le. C'est génial. Il avait un marre, il commence à perdre patience, il va nous quitter. Et là non, mais il y avait des missions. Bon, bah écoute, tire à les chercher. I expected more of a challenge after all this time, Chris. C'est lui qui dit ça. Ah, disappointing. J'avoue que... Il est tellement clair dans les cinématiques. D'une manière générale, il est très très classe dans toutes les cinématiques où il apparaît après le premier RE. C'est ça, mon arrière. C'est ça, en fait. Oh, respect. Ah, le bon fanservice. Chris, tu ne peux plus agir de pisser jusqu'à la fin de la partie, d'accord? Ah, mais clairement! Et t'as pété le bras, enfin, façon d'imiter. Mais alors, où est-ce que. Tu sais qu'il gagne toujours contre toi, Chris. Pourquoi tu ne le tues pas maintenant? Ça fait genre. Mais après, tu sais bien, c'est un grand méchant, genre. Se faire buter par son ancienne partenaire. C'est quand même la classe pour un grand méchant de dire ça. Oui, un jour, j'ai fait buter un mec par son ex-partenaire. C'était... Et même, je lui ai foutu le haut de la poitrine à l'air. C'était... Laissez tomber, je sais ce que je fais. Alors, 3, 2... Ah, mon coup, c'était presque bon. Bonjour les fans. Même si c'est vrai que c'est plus Chris qui a joué le fan, là. Alors là... Tu vas leur offrir ce plaisir, aux gens qui peuvent regarder. Alors là, par contre, c'est, je pense que c'est mon combat préféré de... Allez. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, merde. Allez, et maintenant, attention. Et là, maintenant, on peut commencer le combat de Mongol. Salut, tu veux aller voir en ce QTE? Tu veux aller voir en ce QTE?
Tu m'as déconcentré, vas-y. Stop this, Jill, answer me. Ouch. Ah, ça c'est un bon coup dans les chicolas quand même. Où est-ce qu'il est passé? Où est-ce qu'il est? Don't you recognize me? Non mais sérieux. Sérieux, Jill. Sérieux. Offre du challenge, bordel. Écoute, on reparle du combat en professionnel. Offre le challenge. Oui, alors, or là, et ça marche pas. Alors, attention, attention. C'est un coup, une mort, et il faut faire ça 20 fois. Il faut faire ça 20 fois, sachant que. Aïe, ah, mais j'étais. Je voulais donner un coup de couteau. Don't do this, Jill. Allez, fan service. C'est ça. Oh. Et là, on la maîtrise comme ça. Débile. Et ça, globalement, c'est jusqu'à la fin du combat. Ah, ouh. Ah, cette patate. Ah, où est-ce qu'il est parti? Je ne sais pas. Là, reviens là un petit peu. Oula, 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 oula. Qu'est-ce que c'était que ça? Ah non, là, là, t'allais mourir. I don't wanna hurt you. Jill, what are you doing? Alors, tu es en train de me péter la gueule pour être précis. Je savais pas. Normalement, il y a quelques signes de force qui montrent que l'on a quasiment. C'est du gros mâchage, hein, je tiens à dire. Là, voilà. Si je la raisonne depuis tout à l'heure, là, c'est uniquement pour faire ce genre d'effet où elle s'arrête et. Elle gomme. Et pique une crise, on va dire. Votre Jean. Votre Jean s'est mise à deux bouts. Voilà, parfait. Hop là. Alors, il est censé être tendu ce combat, mais je suis désolé. Non, là on est au normal, on a vécu professionnel, un coup, une mort, 20 fois, au moins 20 fois cette opération. C'est vrai. Et ça, quand tu sens qu'il y a 4 fois le plus bon sens, c'est ça. Même avec si j'aimerais bien tester un truc là. J'aimerais bien tester un truc parce que, à ce qui paraît, il est possible de le faire plus rapidement. En la visant, en visant son machin là, avec une arme. Come on, snap out of it. Ok, non mais d'accord. Don't do this, Jill. Oh. Ah, non, tu me tueras pas. C'est bon, je la maîtrise. Oula, 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 oula. J'ai tiré sur elle. Bah écoute, on a eu du bol qu'elle ne meurt pas. Non, mais c'est un coup de mort. Pour dire, elle meurt avec un coup de lance-roquette, elle meurt avec 10 coups de matraque et elle meurt pas avec un coup de sniper. Stop this, Jill, answer me. Hop là, voilà. Bon, bon, voilà, moi, comme je vous disais, c'est tendu ce combat. Très très tendu. Vraiment. En fait, c'est à dire que là, c'est pas la même chose tout le temps, mais au pire, écoutez-nous. Je suis assez surpris. Oh là là. Mais non, je peux. Oh. Come on, snap out of it. Ah là, voilà. Oh. J'aurais vraiment pas aimé. Don't do this, Jill. Oh. Je t'avais dit de pas le faire, espèce de connasse. J'ai mal. C'est moi facile qui l'a tué, c'est ça qui est dommage. Bah raisonne là un peu, s'il te plaît. Ah, j'essaie. I don't wanna hurt you. Jill, what are you doing? Qu'est-ce que vous... Ah là, ça y est. Je pense que c'est le dernier, c'est vrai que ça commence à faire. Je sais pas combien de temps va durer cet épisode par contre. Bah pas moins en fait. Eh bah écoute là sur mon petit écran. Stop this, Jill, answer me. Sur mon petit. Attention. Ça
ça va ce que tu fais, Jim. On est cachés, on est des lâches. It's me, Chris. Don't you recognize me? Oula, oula, oula. Aïe. Nick, ça bordel de merde. Oh, ouais, de toute façon, elle va reprendre. Connasse. Non, hein. Espèce de connasse. Normalement, on peut. Normalement, on peut. Come on, snap out of it. Reste pas, c'est correct. Don't do this, Jim. Laisse-moi faire. Vas-y, vas-y, vas-y. Ah, elle est. Est-ce que je peux? Ah non. Oh là, oh là, oh là. Je là et... Non, j'ai failli avoir. Failli avoir. Allez, allez, allez. Là, j'ai. Allez. Bordel de merde. Sois libéré du fléau qui t'embarque. Bon, je vais essayer de voir s'il y a pas un... y a pas une herbe qui part là, parce que ça va pas du tout. Il y a une herbe ici. Bah, j'aimerais bien, voilà, mais... J'aimerais bien, mais je n'ai pas de place. Voilà, bah, il se balle. Ah, ouch, mais bordel. Ok, vas-y. Stop this, Jill, answer me. C'est au coin de la salle, là. Là, suis-moi. Là, j'ai... Là. Tu veux bien. Allez. It's me, Chris. Don't you recognize me? Là. Bon, tant que allez, de... bordel! Pas en tant que de manette. Ah, mais on entend que ça, c'est dingue. D'abord de mon côté, ensuite de ton côté. Ah, là, tu me fais rire, j'aurais pu me concentrer suffisamment pour bien marcher. Voilà, non, mais ce combat-là, en mode professionnel, c'est mort. Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Je veux pas te faire mal, bordel! Ah, là on aime ça. Vas-y. Tu m'as tout concentré pour le jeu. Jill, what are you doing? Allez, vas-y. Oh non, c'était super beauf. C'est ta faute, c'est ta faute. C'est vrai, j'avoue. Stop it, Jill, answer me. It's me, Chris. Je veux pas te faire de mal. Allez, là. Hashtag je suis. Oh, quel gros forceur, quel gros forceur. C'est totalement... Aïe. J'ai mal, bordel. Je vais te ranimer, t'inquiète pas. Toi bien, ce n'est qu'une blessure majeure à ton pied. Don't do this, Jill. Ah oui, évidemment, il y a une herse. Il y a une herse maintenant, c'est vrai, j'avais oublié ça. I don't wanna hurt you. Jill, what are you doing? Là. Oh. Allez. C'est ici. Hashtag me too. Mais j'ai pas tombé un coup dans cette bataille. Stop this, Jill. Oh, aïe, aïe. Ah non, t'arrêtes, hein. T'arrêtes de me voir mourir. À croire que tu veux te suicider. Ah, je vais finir par le croire aussi, bordel de merde. Vas-y, fais la bouillie encore une fois. Oh merde. Oh, ah. It's me, Chris. Don't you recognize me? Come on, snap out of it! Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Mais bordel, mais what are you doing? Que fais-tu, bordel? Je pouvais la prendre. Stop this, Jill, answer me! It's me, Chris! Ah, don't merci. You recognize me? Je peux la mettre à projeter pendant qu'elle fait le. Allez, bordel! Ah! Bordel! Bien. La allez! Panade! C'est bon! Ah! Ah, c'est. Je vous jure, ça a peut-être l'air d'être chiant comme ça, mais c'est super physique en vrai! Ouais! C'est une machage! Allez! Ah. Et puis essayez de pas lui laisser le temps de se déplacer. Aïe! Bordel! Heureusement qu'il n'y a pas énormément de dégâts que ça, sinon il serait déjà mort. C'est vrai. Bon, on est encore un peu plus. Don't do this, Jill! I don't wanna hurt you! Ne pas te faire de mal, c'est clair! Oh bordel! Tiens, maîtrise-la! Mets-lui que je dans la gorge! Je veux pas te mal!
Non, sérieusement, c'est comme ça fout, là. Allez. Et pas que c'est pas stylé. Jill, what are you doing? Oh là là, qu'est-ce qu'il fout? Qu'est-ce qu'il fout? Non, elle va tirer. Non, elle tire pas. Stop this, Jill, answer me. Là. It's me, Chris. Don't you recognize me? Allez, bordel! Putain. C'est bien, c'est le Q2 n'est pas au micro. Ce qui est bien, c'est que le Q2 n'est pas au micro quand on dirait. On a mis du micro second, ce qui fait que tu peux appuyer avant, tu peux te préparer pour le Q2 avant. Ah oui. C'est bon. Allez. Allez, on va bien finir par y arriver là, parce que là c'est. C'est bon. Don't do this, Jill. Would you? I don't want to hurt you. Ah, that's perfect. Oh. Allez. Ah. Jill, what are you doing? J'ai. Dans cette club, après à cause des vies challenge. Bordel. Ah mais non hein. Je te respecte toi aussi, mais tu me respectes. Oh. Ok. Oh bordel. C'est pas possible. Ça se trouve c'est la fin, c'est là-haut. It's me, Chris. Don't you recognize me? Come on, snap out of it. Don't do this, Jill. J'ai pas l'impression. Si, attends, peut-être. Peut-être. Vas-y. Allez. Parce que si c'est ici, ce serait raccord avec la cinématique. Allez, ce serait raccord avec la cinématique juste après. Ah bordel. C'est bon. Et par contre, on est vraiment en train. Putain, ça tire sur nos forces, c'est chaud. Aïe, bordel. Je souffre, bordel. Et essaye de faire bloquer. Jill, what are you doing? J'essaye, hein. Stop this, Jill, answer me. Je vais prendre peut-être les gens en position, mais pas. Allez. C'est le bouton, ah oui, c'est le bouton, j'appuie le bouton. It's me, Chris. Don't you recognize me? Ah, bordel! Vas-y. Allez! Ah, bordel! C'était pas assez. Come on, snap out of it! Don't do this, Jill! Merde. Ah, j'aurais pu la projeter. I don't want to hurt you! Jill, what are you doing? C'est bon. Allez! Ah oui, ça y est. Oh, oh putain, elle s'est déconnectée. Gros coup de bol, gros coup de bol. Oh la vache. Chill. Oh, ça me tire. Oh, c'est chaud. Avec ce costume, c'est risible. Voulez-vous un homme musclé qui vous prenne dans vos bras chaque nuit? Appelez le 06 36 36 pour avoir des hommes musclés tous les soirs. Putain, avec cette vieille paire de Ray-Ban, c'est génial. Là, bon, c'est on remarque avec la secrétaire à côté, c'est. Oh, et ben, écoute, le musclé, il fait gigolo en même temps. C'est débile. Oh, le qui casse. Je vois qu'il s'éraille, c'est immonde. Plus du tout. J'avoue qu'il s'éraille, c'est immonde.
Ah bah c'était un vachement vite, tiens. Vous avez défoncé la gorge, tout ça, mais ça va. Par contre, je veux vraiment pas te... Je veux vraiment pas t'emmerder là, maintenant, tout de suite, hein, parce que bon, c'est... Je peux comprendre que tu aies été contrôlé par des produits chimiques et tout. Tu peux te rhabiller, s'il te plaît. Je l'ai rhabillé, mais je sais pas si elle a un mot. Non, mais le problème, c'est que personnellement, le problème, c'est que j'ai beaucoup de mal à te regarder dans les yeux, Jill. Est-ce que tu peux est-ce que tu peux reboutonner ta veste? C'est quoi cette musique? Ah, c'est là, c'est plus raccord que. Là, comme ça, par exemple, des choses comme ça. Oh bordel. Oh, dernier espoir, tout ça. Là c'est pas trop. Oh non mais c'est quoi? Non mais c'est ridicule. Non, mais c'est le meilleur costume qu'on ait trouvé. Avec cette peau en plus. Tanné, basané. Ah, c'est pas les costumes aussi cons. Si, mais en jeu, il n'y a pas de costume aussi con dans Halo 6. Tant que tu puisses mettre le costume samouraï. Oui, là, le costume samouraï, mais... quand même, on est d'accord. Oui, non, mais si, tu peux pas le mettre dans le jeu. Je sais pas. Ça fait un bout de temps que j'ai pas joué au 6 maintenant. Si on a fait le 5, peut-être qu'on fera un moment au 6. Peut-être, mais après, là, déjà, on s'engage sur du plus long terme, là, par contre. C'est ça, le 6 c'est autre chose, c'est à la fois avec des checkpoints mal gérés et de la difficulté plus ou moins bien gérée, ce qui fait un tout plus ou moins dur ou pas. Bon, c'est pas Resident Evil Raccoon City, hein. Non, c'est loin de là quand même, hein, faut pas déconner. Alors, eh ben, c'est écoute, cool. C'est B, c'est pas... C'est... Je fais mieux que toi parce que j'ai 2A et toi t'as 2B. Et peut-être, quoi, mais n'empêche qu'on a quand même mis 54 minutes. Chut, c'était pas une heure et demie. En effet, même si là j'ai une heure et quart de vidéo que je vais devoir. Oh non, bon ça, sang. C'est parce qu'il y a eu tout les tests du début. Non. Oui, mais bon quand même. Mais 54 minutes quand même, c'est ridicule pour un niveau qu'on connaît bien en plus. Ouais, mais là on l'a fait en mode hyper legit. Non, c'est-à-dire et puis. On a pas pris le lance-roquette pour les. Je me souviens toujours d'un cas où c'était en mode non legit, où c'était pour un décon. En facile, j'ai pris le lance-roquette, j'ai tiré sur Jill. Oui, c'est vrai. Énervé. Bah, au moins on a su qu'il fallait pas tuer Jill. Et qu'elle n'était pas immortelle. C'est ça. On s'était dit que c'était un boss, tout ça. Mais c'était un boss qu'on pouvait tuer d'une manière bien spécifique, mais non. On pouvait le tuer au coup de couteau aussi. On le fait pas parce que ça fait perdre du temps. Mais bon, j'ai envie de dire, de toute façon, vu le temps qu'on perd déjà, ne serait-ce qu'en mourant... C'est ta faute, hein. C'est surtout pas la mienne. Oh, moi, bon. Voilà. Non, si tu dis que c'est la mienne, c'est la discrimination. Ça, c'est du sexisme. Les femmes ne font jamais de faute. Hein, Sheva? Sheva ne meurt jamais. Ou la personne masculine qui la joue... Je suis consterné. Pourquoi? Je suis consterné et par cette logique implacable et pourtant désespérément stupide. Et bah évidemment, c'est comme les filles ne pètent pas, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. C'est ça. Non, c'est et les licornes fait. Existent et elles bouffent des arcs-en-ciel. Allez, bon, sur cette citation coutue, c'est le cas de le dire. Là, pour le coup, je pense qu'on peut se laisser là. Et globalement... Oh, quel bordel ce chapitre. Oh, la vache. Ah, mais vous allez avoir des épisodes à rallonge, là. Parce qu'on arrive vraiment en pleine galère. On arrive à la fin. Il nous reste... Allez, je crois qu'il nous en reste 2, à peine. 3. Il y a le 6. 6, 1, 2 et 3. Ah, c'est pas mal, ça. Mais ça veut dire, mon Dieu, que la série est bientôt terminée. C'est ça. C'est sa première série bientôt terminée. Ce qui est plutôt cool. Ce qui est plutôt cool, ma foi. Franchement, je...
Ah, terminer un premier let's play, ce serait quand même trop cool. Surtout que Terraria, je doute qu'on le termine un jour. Très sincèrement. Non, mais c'est à dire que ça peut théoriquement être notre Skyrim du boulet de c'est appelé notre Skyrim du boulet. Oui, oui, c'est sûr, mais bon, j'ai envie de dire. Si nos cartes sont restent déjà en place. Écoute, on verra bien parce que. Ouais, de toute façon, là, l'idée c'est de s'amuser à jouer et là, on n'a pas joué de Terraria depuis un certain temps, mais ça va revenir à un moment de toute façon. J'adore ce jeu. En effet, et puis moi je prends toujours plaisir à le suivre dans ses conneries. Donc du coup, voilà. Sinon, on parlait de Skyrim tout de suite. De mon côté, je vais. De mon côté, je ne. Alors, je ne compte pas me mettre à Skyrim, faut pas déconner. Pas tout de suite, pas tout de suite en tout cas. Après, j'ai envie de faire les autres Elder Scrolls. Je crois qu'il y a un mode multijoueur à Skyrim, ce serait super si on peut trouver un mode. Je me procurerai Skyrim si on peut se trouver un mode. On peut jouer tous les deux. Bah écoute, on verra ça. On verra ça dans ce cas-là parce que il est déjà pas stable, même non, sur. Non, Skyrim, c'est Skyrim, cherche pas. Oui, mais justement, tu mets un mode, tu mets un mode à un truc instable. C'est enfin bref. Et, sur ce, on va se quitter. Ouais, globalement c'est ça. Je voulais juste faire de la pub pour ma petite chaîne Twitch que j'essaye de faire revivre d'entre bah de l'oubli, non, parce que personne l'a vraiment connu en vrai. Je n'ai vu qu'un seul truc sur ta chaîne Twitch, c'est la démo de Resident Evil 2 Remake, et encore j'ai pas eu le entier pour cause de qualité minable. C'est vrai. J'avais vraiment pas une bonne connexion à l'époque, donc du coup, c'était la galère. J'ai arrêté pour ça, mais maintenant j'ai une meilleure connexion. Et donc du coup, je peux me permettre de streamer avec de la bonne qualité. Tout ça pour dire, si vous voulez voir du Book of Demons, qui est une série qui va probablement pas s'arrêter de sitôt, très sincèrement. Ah, je m'enseignerai. Voilà, et bien, je vous invite à aller le voir. Le lien sera dans la description. Je me ferai pas ma pub à tous les épisodes, hein, pour cet épisode-là, en tout cas, je vous invite à aller, en tout cas, voir ce que je peux faire. Et globalement, de me dire si vous appréciez, hein, parce que, on est tous copains. Et au final, l'épisode fera une heure. Ouais, je pense que là, clairement, je vais pas y couper. Mais bon, c'est comme ça. Et étant donné que je le réécoute toujours en entier pour savoir si j'oublie rien au montage, ça va être bien. C'est pas faux tout ça. Mais bon, moi, je vais du coup couper la vidéo là pour que ça arrête de s'allonger ce putain de temps. Ouais, c'est vrai que c'est un chèque, quoi. Ouais. Mais écoutez, hein, les longs débriefings après la fin de chaque épisode, on aime ça. Vous aimez c'est ça plaisir. Ou pas, j'en sais ou rien. Pas, c'est pas grave, ça, on le fait quand même. On s'en fout. C'est exactement ça. De ce fait, moi je vous donne simplement rendez-vous pour une prochaine fois sur la chaîne Fantôme, que ce soit sur du Terraria ou sur une autre de nos séries en cours. Et je vous donne rendez-vous globalement. Pour la prochaine fois, je suis nul sur la chaîne Fantôme. Allez, salut. Salut.